Oh, Seigneur, ta grâce. Oh. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Actuellement, on est très fatigué au niveau de la France. Annick la poupée, shalom à vous. Merci pour de mettre les cœurs. Merci pour ceux qui ont commencé à mettre les cœurs. Merci pour ceux qui ont commencé à partager la vidéo. Vraiment, que Dieu vous bénisse grandement. Ce matin, je veux voir tout le monde partager cette vidéo. Je veux voir tout le monde mettre des cœurs, partager la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les pages du général sont restreintes à cause des vérités que nous disons, à cause des points de vue que nous avons. Donc, aujourd'hui, je me permets de faire une petite vidéo pour Créole. Veuillez mettre le cœur, s'il vous plaît. Veuillez partager la vidéo. Veuillez mettre assez de cœur. Parce que dès que le général est connecté, vous savez automatiquement que les signalements vont prendre le soin de commencer. Et Créole traverse aujourd'hui un moment très difficile. Et quand je dis très difficile, c'est vraiment très difficile. Parce que perdre son ami le plus intime, le plus fidèle, c'est quelque chose de tellement compliqué. Et quand on dit compliqué, c'est vraiment compliqué. Et quand on dit compliqué, c'est vraiment compliqué. Très compliqué. Une femme bien, une femme douce, une femme... quand elle s'attache, elle s'attache. Et aujourd'hui, voit que Créole est dans cette situation très compliquée. Je ne peux que venir lui dire Yako. Ça, c'est la première des choses en tant que général que je peux prendre le soin de faire. Parce que c'est une personne que j'apprécie énormément, que j'aime énormément. Parce que c'est une femme au grand cœur. C'est très compliqué parce que je l'ai vu tout à l'heure en larmes. Moi, je n'étais pas informé. Vous savez que depuis un certain temps, le général n'est plus trop sur les réseaux sociaux parce que je passe toute ma journée à répondre à mes fidèles. C'est près de 2000 messages, 3000 messages par jour. Et j'ai compris ce qui est prioritaire pour moi. Ce qui est prioritaire, c'est mes fidèles. Ce qui est prioritaire, c'est mes enfants. Ce qui est prioritaire, ce n'est plus les réseaux sociaux. Et c'est une de mes fidèles du Gabon qui m'a pris le soin de me contacter, qui m'a dit « Ah papa, vraiment, jusque-là, on ne t'a pas encore vu donner des messages de condoléances à Créole. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a dit « Ah, Créole a perdu un de ses amis intimes. » Et elle m'a amené les vidéos ainsi que les photos qu'ils avaient ensemble. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est quelqu'un qui était très proche d'elle. Et ça m'a tellement brisé le cœur pour elle. Donc vraiment, Créole, je suis désolé. Ça, je te le dis en toute honnêteté, je ne savais pas. Et je sais que le WhatsApp que tu as, je ne l'ai plus. Donc moi, je n'ai plus ton contact au WhatsApp. Donc vraiment, j'aimerais que tous mes abonnés et tout le monde puissent m'aider à dire véritablement toutes nos condoléances à Créole. Que Dieu te protège, que Dieu lui-même te console. Que Dieu puisse t'accorder le soutien dont tu mérites. Parce que perdre quelqu'un de si cher et la personne très tôt, très jeune part, c'est quelque chose de très douloureux. C'est quelque chose qu'on vit avec. C'est quelque chose qui te suit pendant longtemps parce que tu vas penser à des bons moments. Mais le plus important, Créole, que tu dois savoir, c'est que désormais, tu ne vis plus pour toi seul, tu vis pour deux personnes. Tu vis pour toi et tu vis aussi pour lui.
Donc, ce que je peux prendre le soin de te dire, c'est que les morts ne sont pas morts. Et tu dois prendre le soin d'eux. Même quand tu es en train de chanter, c'est pour lui aussi que tu le fais. Et il serait très intéressant que les Gabonais, les Fantastiques avec Créole, vous puissiez organiser, si possible, un festival pour celui qui est parti, dans le but de lui rendre hommage de la meilleure manière, par la chanson et par la louange. Vraiment, que Dieu te soutienne. C'était cette petite vidéo que je voulais t'adresser. Moi, je suis encore à Paris, tranquille, en train de réviser qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, qu'est-ce qui n'est plus prioritaire. Je suis en train de m'étudier moi-même. Je suis en train de faire un mea culpa moi-même. Je suis en train de revoir beaucoup de choses dans ma vie que je dois arrêter, que je dois corriger, que je dois améliorer. Des choses dans lesquelles je dois encore être plus performant. Et quand j'apprends de telles nouvelles, ça ne peut que me briser le cœur. Que Dieu te soutienne, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège, ma reine. Vraiment, Créole, tu es dans notre cœur et la Côte d'Ivoire t'aime énormément. Par ma voix, c'est toute la Côte d'Ivoire qui vient te dire Yako. Que Dieu te bénisse. Shalom, général des fantastiques.